Alors, pour cette lotion de rinçage définitif, les poudres et moi, on aura besoin de trois poudres, la poudre de fenugrec et la poudre de cassou sungadi, qui sont des poudres qui apportent volume et fortifient le cheveu, et la poudre de guimauve, qui est une poudre qui va gainer et aider au démêlage. Et pour cela, on va faire bouillir 150 ml d'eau de source, à laquelle on rajoutera donc une demi-cuillère à café de chacune de nos poudres, donc une demi-cuillère à café de poudre de fenugrec, une demi-cuillère à café de poudre de guimauve et pour finir, une demi-cuillère à café de poudre de cassou sungadi. On va mélanger le tout et on va laisser poser pendant 15 minutes. Et oui, je vous avoue mon amour incommensurable pour les poudres indiennes parce que ça ne fait que du bien à mes cheveux. Vous le verrez tout au long de ce challenge, ce sera qu'un moment de pur partage, de pur bonheur et les résultats se feront bien entendu ressentir. Bien, on va filtrer notre préparation. Je vais utiliser mon pied de collant pour filtrer ma préparation. La lotion des poudres et moi est à préparer le jour même du shampoing et il faut l'appliquer tiède. Là, il faut à tout prix qu'il n'y ait aucun résidu dans notre préparation. Donc, comme vous le voyez, je m'aide de mon petit fouet. Ensuite, on va rajouter 5 ml d'une HV. Là, j'ai utilisé l'huile d'argan. Vous pouvez utiliser l'huile de moutarde, l'huile d'olive ou de pépins de raisin. Et hop, on passe à l'application. Tel que vous le voyez, cette lotion a une texture gélatineuse. Donc, c'est très facile à l'application. Ce sera très facile au démêlage également. Je vais donc l'appliquer sur les longueurs, les pointes, en insistant sur les massages sur le cuir chevelu. Je vais procéder ainsi sur toute la tête. Ceci est une lotion sans rinçage, donc après l'application, ne pensez pas, ne me posez pas de questions à savoir si on rince après ou pas. Non, elle ne se rince pas, c'est une lotion de rinçage définitif et elle ne se conserve pas non plus. Le fenugrec est une poudre qui sent un peu fort, mais surtout ne vous inquiétez pas parce que le lendemain matin, on va procéder à notre hydratation avec la lotion biphasée qui est assez parfumée pour éradiquer le reste d'odeur de fenugrec. Je continue mes petits massages, j'adore la texture de mes cheveux qui sont de plus en plus souples, qui shrink à 100% bien entendu, mais qui poussent. Et bientôt, on va dire bye bye à la casse seulement en une semaine avec l'utilisation de la lotion 2 en 1 dans la lotion biphasée. J'ai remarqué que je n'avais plus de casse. Alors faites-le, faites les lotions, faites ces recettes, vous verrez. Je vous mets bien entendu le lien vers le spray biphasé. Vous n'aurez pas de regret à utiliser cette lotion qui va fortifier, hydrater et embellir vos cheveux. Bien entendu, diminuer la casse. Je vais laisser sécher mes cheveux à l'air sous vanille à environ 90% et ensuite je vais procéder à mon hydratation avec mon leave-in crème suivi du sélage avec l'huile de jojoba. Voilà pour ce partage mes chers abonnés, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve donc le 2 janvier pour notre challenge pouce, volume et brillance. Des bisous.